Comme chaque matin, le sergent Pepper assure sa tournée dans le comté de Wisher. Ah, c'est un peu la routine, à part les combats de personnes âgées et les partouts géantes, on a rarement des problèmes dans la région. Et pourtant, ce jour-là, la vie du sergent Pepper allait être bouleversée. Cette journée est gravée à jamais dans ma mémoire qu'est dans ma tête. Il est 14h lorsque le sergent Pepper remarque sur la route 78 une voiture qui roulait très lentement. Elle roulait lentement, un peu comme ma femme quand elle n'a pas été à la selle depuis 6 mois. La paix à son âme. Le sergent Pepper branche alors sa sirène et oblige le conducteur à s'arrêter sur le bas-côté pour éviter tout autre accident. C'était un Mexicain, je l'ai reconnu grâce à son chapeau. Grand chapeau mexicain, petit chapeau tibétain, on apprend ça à l'école de police. Je suis obligé de vous fouiller, monsieur, c'est la loi. Alors, vous n'avez rien sur vous? Oui. Alors, il m'a dit qu'il était très connu en Europe et il s'appelait Pepito, je crois. Je connais pas, moi. Enfin, vous m'en connaissez pas? Je suis Pepito, le roi du gâteau. Eh, vous restez tranquille, monsieur. Je lui ai parlé pour le calmer, mais il voulait rien savoir. Il m'a dit qu'il avait le bras long dans les gâteaux et qu'il pouvait me faire virer. Alors, je me suis énervé, moi, forcément. Je te préviens, espèce de connard. Moi, j'ai le bras long dans le gâteau, tu comprends? Je peux te faire tomber, moi, je suis Pepito. Le sergent Pepper décide alors d'appliquer le règlement. Il oblige Pepito à s'enfoncer dans le rectum des madeleines à la fraise. Normalement, c'est des tuiles aux amandes. Allez, à monsieur. Ah. Oh là là, il y a beaucoup de beurre, hein. Encore une autre. Ça fait mal. Il y a beaucoup de beurre. Allez. Choqué et calmé, Pepito se laisse mettre les menottes par le sergent Pepper. Tout est fini. Je l'ai emmené au poste et je lui ai mis un bonnet de bain. C'est la loi. Aujourd'hui encore, le sergent Pepper n'est pas prêt d'oublier cette journée très particulière. Papy Brossard, il est moins con, hein. Au revoir.